gens du Québec, je souhaite à tous et chacun bonjour. Nous allons remettre à l'OMH cette murale qui s'appelle Mémoire du cœur, à titre d'hommage. Murale réalisée avec un groupe de la résidence ici, et aussi avec des gens de la QDR du Québec. Sous la direction, évidemment, de notre maître peintre des salles blancs. Je commence mal. J'allais faire un projet où est-ce que les gens racontaient leur vie. Les gens racontaient leurs souvenirs. C'est la mémoire du cœur, la mémoire, c'est les souvenirs. Et ça se fait dans deux volets. Le premier volet, évidemment, c'est de dessiner ou de mettre en plein leurs souvenirs des voyages. Monique n'est pas ici après-midi, mais Monique m'avait dit à un moment donné que dans ses souvenirs d'enfance, elle se souvenait d'un carousel avec les lumières. Et dans un deuxième temps, il fallait qu'on réussisse à faire la mémoire du cœur. Alors, ce qu'on a fait, on a pris 37 photos. Et ces 37 photos-là ont été collées sur un plexiglas arrière. Alors, ce que vous allez voir, quand elle est fermée, quand la lumière est fermée de l'hiver, en avant-plan, vous allez voir leurs souvenirs, carnaval, cabane à sucre et autres dans ça. Et après ça, ces photos-là sont en transparence. Alors, quand on va allumer la lumière, si vous rapprochez la mirage, vous allez voir à travers le paysage imaginaire ces photos-là, ces souvenirs-là, ou des photos des gens qui ont participé. C'est 11 personnes qui ont participé à ça. J'inviterais Ghislaine et d'autres qui ont été collaborateurs vraiment, ouais, toujours de façon régulière à venir aider à dévoiler le mural. Je vais vous laisser. On va prendre soin d'admirer l'œuvre, d'admirer ce qu'ils ont réalisé. Il faut se souvenir que ce ne sont pas les artistes professionnels, c'est les gens qui n'avaient jamais fait ça. Ah! Wow! Bravo! Bravo, mesdames! Je vais demander aux participants qui ont participé de venir à l'avant, on va prendre une photo. Merci beaucoup à toute ma gang. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci infiniment, Gaétan. C'était une expérience extraordinaire. Eh bien, Gaétan, tu es un artiste dans l'âme et dans le cœur. Tu es très généreux. Ça fait plus de 14 œuvres que tu fais seulement à Drummondville. La murale du cœur, parce que c'était fait avec des gens de cœur. Il y a eu une entraide, ne serait-ce que dans le partage des idées. On veut remettre cette murale-là, la murale de cœur, tout simplement pour notre partenariat depuis 25 ans à l'OMHD. Alors, je tiens à dire à Mme Martin de venir ici, M. Jocelyn Gagné, de venir à l'avant. C'est une femme de cœur qui est très créative pour créer des milieux de vie harmonieux. Merci beaucoup pour faire de cette résidence un endroit où les résidents sont heureux de vivre. Alors, c'est un lourd défi que vous réalisez très bien d'année en année. Alors, ça fait 25 ans que je collabore avec l'OMHD et c'est toujours une entraide agréable et on a toujours des défis à relever, mais on le fait avec cœur. Eh bien, je vous cède la parole. Moi, j'aimerais dire plusieurs merci. Merci à M. Leblanc qui a orchestré cette belle démarche. Merci à tous les participants et participantes qui se sont livrés un peu dans l'œuvre. Hein. C'est témoin de beaux souvenirs. Et effectivement, on a une approche milieu de vie. On essaie de faire de notre mieux pour que les gens soient heureux dans nos logements. Et c'est un honneur pour moi personnellement et pour tout l'OMH d'accueillir, de recevoir cette œuvre qu'on va mettre ici en valeur, qui est témoin de vos souvenirs et de votre démarche. Alors, moi aussi, je veux remercier beaucoup la QDR, Louise. On a toujours eu, effectivement, un beau partenariat qui a été
bénéfique pour nos locataires et vous êtes venu enrichir le milieu de vie et c'est encore ça que vous faites aujourd'hui. Alors, je vous dis mon plus sincère merci. Disons qu'elle existe depuis 25 ans, 25 ans qu'on va fêter, célébrer à l'automne, le 30 septembre. Et évidemment, on a des projets innovateurs et celui qui nous tient vraiment à cœur, c'est le volet empowerment, qui permet aux gens, aux résidents, de prendre la gestion de leur milieu, de participer à la gestion de leur milieu avec la direction, avec le comité d'administration et tout. Je tiens à dire qu'il y a des résidents qui ont participé à cette œuvre et les mêmes résidents, on les a complètement embarqués avec nous. Ils vont continuer à œuvrer au sein d'un autre projet, la création littéraire sur le web. Alors, l'OMH va être présente avec nous par le biais des conférences vidéo au Forum mondial de la francophonie. Alors, le partenariat se continue de plus belle. Monsieur Camille, on vous a demandé de dire un mot. Est-ce que ça vous j'ai pas grand-chose à dire, sauf vous remercier grandement de votre générosité. Je connais les gens depuis environ une dizaine, 7 ans. Et depuis ces 7 ans derniers, il a toujours été généreux de son temps, généreux de son talent artistique. Il s'est associé au mouvement des personnes d'abord. Oui. Dans le cadre, tu étais là, Paul. Claude également. Oui. Donc, pendant 7 ans, il y a eu une production de l'œuvre d'art dans le cadre des Journées de la culture qui se déroule en septembre. Je sais que c'est. Je suis correct encore, c'est bon. Oui. Et donc, te remercier parce que naturellement, chez toi, tu es généreux. Tu n'as pas de restriction à ton temps et tu partages avec tous ceux qui veulent de recevoir la qualité artistique que tu détiens et que tu le fais. Merci beaucoup. Et merci à la QDR d'avoir donné un partenaire fort de la France. Beaucoup au sein du CA aussi, Pascal Vienne, c'est un pharmacien, c'est lui qui donne des cours de médication depuis plusieurs années, c'est un partenariat aussi, il finance nos ateliers ouverts au public bimensuels. Alors merci beaucoup Pascal de ton aide. Travailler avec des gens qui ont le désir de vieillir en santé, puis de bien vieillir, puis d'aider les gens, c'est énormément enrichissant pour les jeunes, les plus jeunes comme nous. Donc, ça me donne un bon exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer avec vous et que je vais probablement continuer encore quelques années. Merci. Merci. Alors, est-ce que monsieur le député aimerait bien dire un mot? On est très, très heureux que vous soyez parmi nous, monsieur le député. Monsieur Yves-François Blanchette. Bienvenue, monsieur le député. Il y a une pensée de l'abbé Pierre, ce grand justicier des causes sociales, qui cite cette pensée. Et il y en a qui sont experts en politique, d'autres experts en humanité. Alors, en vous côtoyant, on sait très bien que vous menez de front ces deux aspects d'expertise. Alors, gardez le cap. Alors, les aînés ont vraiment besoin de respect, de la dignité et des très bonnes conditions de vie, ce que l'OMH offre par le biais du CA et par la direction générale. Alors, ça serait formidable s'il y avait une mobilisation à travers le Québec, que vous pourriez être notre porte-parole officielle auprès des aînés. Solidaire des jeunes aussi. Il ne faut pas se diviser. On demande la même chose, la qualité de vie pour tous. Alors, il y a un changement social qui s'opère, évidemment, et ce changement-là, je pense que c'est tout le monde, les aînés, les jeunes, les moins jeunes, qui doivent y participer. Alors, on va vous acheminer à tous les partis politiques ce que nos recommandations. Alors, je cède la parole. Moi, je suis ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous savez probablement déjà que c'est impossible de dire non à M. Tousignan et aux sœurs Rajotte.
La deuxième, c'est que j'aime bien soutenir les activités jeunesse. Et j'ai l'impression que c'est là que je suis. D'abord parce que la dernière fois, j'ai entendu autant de ding-ding-dong de téléphone cellulaire et de sonnerie. Je pense que c'est dans une classe au secondaire. Et aussi parce que on dit des jeunes, on imagine que les jeunes sont toujours la génération plus rebelle, la génération plus revendicatrice, la génération qui célèbre plus, qui est plus créative. Bref, on associe aux jeunes un ensemble de qualités que je retrouve au quotidien avec la cuillère. Vous avez cette énergie très particulière qui fait que vous êtes partout. Puis quand c'est le temps de donner des points sur la table, vous êtes excellent pour le faire. Puis quand c'est le temps d'organiser une célébration, de semer des sourires partout, vous êtes là pour le faire aussi. Donc, j'ai l'impression que vous avez une espèce de jeunesse qui manque à ceux qui sont plus jeunes que vous, bien des fois. Donc, c'est une belle qualité que vous avez qui vous rend très attrayant. Et de cette œuvre-là, moi, ce que je dirais, mais je ne suis pas un expert en langue, je dirais qu'elle est... elle est représentative et elle porte manifestement un ensemble de souvenirs. Mais ce que la QDR fait, c'est de semer des souvenirs pour le futur. J'ai l'impression que chacun des gestes qui sont faits comme le vôtre, comme ceux que vous organisez régulièrement, c'est des gestes qui sont là pour durer. Ils sont là pour durer parce qu'ils laissent des traces, puis ces traces-là, on va les voir longtemps, puis que cette œuvre-là va être là longtemps pour éclairer les gens qui passent ici. Mais aussi que l'attitude, l'humeur, le tempérament que vous allez avoir insufflé dans la communauté va aussi être là. Plutôt que de partir de plus loin par en arrière, quand d'autres personnes vont rejoindre les rangs des retraités, ils vont partir de beaucoup plus loin par en avant, beaucoup à cause de vos efforts. Et moi, j'admire ça. Personnellement, j'admire ça. Et ça me fait appréhender les années qui vont s'accumuler doucement avec les cheveux blancs qui m'apparaissent à quelques endroits, comme étant des moments qui peuvent être le fun. Et ça, je pense que je vous dois en votre partie. Donc, je vous félicite beaucoup, monsieur. C'est beau. Et je suis convaincu que les gens qui demeurent ici ou qui vont y passer vont beaucoup apprécier. Alors, voilà. Merci. Ce matin, avant de préparer le lancement, j'étais me relaxer dans le bois au niveau de la plaine. Je vais souvent parce que c'est là que je retrouve mon énergie, le temps de la nature et tout. Et puis, j'ai eu un cadeau de la vie. Je suis arrivée juste en face d'un petit cerf de Virginie. Et j'ai rencontré une jeune fille auparavant dans un sentier. Et au sortir du sentier, j'ai rencontré un jeune homme qui travaille dans une usine. Et on a parlé du changement social, c'était vraiment incroyable. Alors, il échangeait, puis il a dit, « Mais je ne peux pas croire que les aînés font aussi la défense de droits comme les jeunes. » Mais je dis, « Oui, on veut la même chose. » Alors, c'est ce qu'on fait depuis 1999, la QDR, c'est qu'on fait des activités intergénérations. Puis, j'étais un petit peu désemparée de voir que le budget bâchant dans les journées sont sortis, le fait qu'ils ne donnaient rien aux jeunes et tout pour les aînés. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. On va devoir se battre aussi pour les besoins, les intérêts des aînés et faire en sorte de se rapprocher des jeunes pour dire, ben oui, il faut combattre. Quoique, j'ai dans mes études, moi aussi, sur la Dinsky, les jeunes faisaient référence à cette intervenance sociale qui bouleversait un peu les instants, mais la désobéissance sociale, c'est un petit peu dangereux. J'aimerais pas voir arriver comme ce que j'ai déjà vu l'armée il y a quelques temps, là, puis de perdre la démocratie. Alors, la démocratie, elle est vraiment importante de la garder. Alors, il y a des écueils à éviter dans tout changement social, mais je pense que... je pense qu'on est capable d'y arriver parce qu'on sent vraiment une volonté de changement assez pour la corruption surtout dans tous les domaines. Puis je pense que si on y va d'une façon de démarche positive, qu'on présente des recommandations concrètes, hein, parce que c'est beau de dire oui, la dignité de la personne,
Oui, des jeunes, on vous comprend, mais il faut que ça aille avec des actions concrètes. Alors, ceci dit, on a encore beaucoup de travail à boucler, tout en étant créatif de n'importe quelle façon. La créativité, là, vous l'avez toute ici, là. Alors, c'est le message que je dis. N'oubliez pas que toute action commence par le cœur. Oui. Tout ce qui touche le cœur se garde dans la mémoire longtemps, et je pense que c'est comme ça, si on touche le cœur des personnes, je pense que c'est là qu'on peut réaliser des choses. Merci à vous tous d'être présents, les organismes locaux, régionaux, M. Germain Proulx, que vous nous avez pour le Forum mondial, M. Pelchot, qui représente le CDC, vous, les résidents de l'OMHD, les participants, vous êtes contents d'avoir participé, hein? Ça a passé du temps pour vous décider, mais il paraît-il qu'avec Gaétan, il paraît qu'on est tous des artistes dans l'âme. Alors merci à toi, merci Gaétan, de nous avoir donné cette confiance-là, et puis de faire en sorte qu'on soit porté par le cœur à essayer de faire quelque chose. Alors, je pense que ça, c'est l'épanouissement personnel de chacun. Alors, de pouvoir créer quelque chose dans son milieu, quelle que soit la créativité. Merci aux médias d'être présents, parce que ça permet de propager la bonne nouvelle. avant de partir, j'aimerais, pour une fois que toute l'équipe ACUDAR est ici, j'aimerais qu'on prenne une photo, tous les membres de l'ACUDAR, s'il vous plaît, devant la murale aussi, les membres de l'ACUDAR. Si on peut échanger, il y a de l'eau, du jus, du café, s'il y en a qui ont soif. Thank you.